Bonjour à tous et à toutes, ici Ami 12 Gamer du 76, on se retrouve sous The Seven Deadly Sins, Grand Cross, la version globale. Donc là, on attaque la deuxième semaine d'événements spéciaux de connexion. Donc à la fin, vous aurez un ticket parti de SSR et vous avez des tickets de race 2. N'oubliez pas que Sariel et Tarmiel ont rejoint le pool de base au niveau de ces tickets-là et non pas les tickets SSR partie 2. Et un petit 50 000 d'or. Donc là, on se retrouve sur mon compte secondaire puisque mon compte principal n'a pas assez de gemmes avancées. Donc comme vous avez pu lire dans le patch note, eh ben c'est un portail qui va vouloir vous forcer à dépenser car vous savez que Gozer Vert est un excellent personnage actuellement sur la japonaise. C'est un god tier et il est utilisé dans presque toutes les formations, même en PvE. Jericho, j'ai vu quelques builds quand même qui peut la rendre quand même assez badass quand même, hein. Donc elle peut faire quand même pas mal de dégâts. Le Fat King peut être offert, contrairement à ce que j'ai dit, donc il peut être offert quand vous allez faire l'événement du boss Hawk. Donc Hawk, pour savoir comment le battre, vous allez juste aller voir les vidéos précédentes que j'avais fait sur le jeu, hein, Seven Deadly Sins, pour savoir comment le battre, parce qu'il y a une astuce, vous ne pouvez pas taper comme un malade sur lui. Il faut attendre certains tours pour que vous puissiez faire beaucoup plus de DPS avec lui. Au pire des cas, si vous voulez, vous me direz ça dans les commentaires, je vous referai une vidéo tuto par rapport à ce boss-là. Donc déjà, on va voir un petit peu les événements. Déjà là, ici, on a le boss Hawk qui est là. Donc dans la boutique d'échange, vous pourrez aller récupérer. Déjà, on a un ticket partie 1 SSR. Vous avez un jeton d'évolution hein, pour monter un personnage directement à 6 étoiles. Vous avez aussi du cosmétique pour Shin. Vous avez aussi pour Roxy. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et c'est tout pour la partie 1. Pour la partie 2, on a les matériaux pour les démons respectifs, ainsi que pour monter vos costumes. C'est tout. Et dans la partie 3, on a des enclumes, on a des box au trésor, on a des marteaux, je pense, pendentifs. Est-ce qu'on a des marteaux? On a des pierres bleues, marteau de vaisselle. Voilà. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a. Mais par contre, je vois, j'ai pas vu le king, moi. Est-ce que j'ai fumé ou j'ai pas fumé? Ah, ok. Donc, je sais pas. Défi terminé. Ah, c'est ici. Ah ouais, d'accord. Donc, il faut que vous le battiez au moins 11 fois pour obtenir le Fat King à la fin. Ok. Ah, et c'est des bons emmerdeurs quand même. Hein. Donc, au final, il n'est pas si gratuit que ça. Hein. Donc, voilà. Donc, il y a encore des gens qui vont me dire, mais il est gratuit parce que tu ne payes pas. Non, mais attendez. Il y a gratuité quand vous l'avez comme ça, hein, vous vous connectez, vous l'avez comme le Hawk, hein, le Captain Hawk, vous l'avez souvent, on vous l'offre, voilà, des doublons de Captain Hawk. Et là, en fait, vous vous forcez à faire des défis. Donc pour ceux qui n'ont pas vraiment les personnages OP, bah ça va être mort pour eux, ils l'auront pas quoi, en fait. Hein. Voilà, on a oublié d'aller voir la boîte aux lettres, bien sûr aussi. On va voir qu'est-ce qu'on va nous donner. Alors ça, je récupère bien sûr. Alors. Un que de surprise est arrivé. On a le sablier du donjon de Sol'Gales, hein, pour le temps limité, hein, comme d'habitude. Maintenant, c'est terminé. On a 3 diamants. Donc, c'est terminé pour les jetons évolutifs et c'est ça qui nous donne. Voilà. Donc, bon courage un peu pour ceux hein, qui. C'est sûr que vous allez avoir beaucoup de personnages DPS pour pouvoir faire ça. On a l'événement de croissance. On a un nouvel événement de croissance avec les fées. Donc, vous allez pouvoir récupérer 2 pendentifs SSR. C'est peu. Hein, c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup en ce moment, mais voilà, je pense que comme pour beaucoup de monde, je pense que vous devez en avoir un sacré paquet. Je crois que c'est un défi pour gagner 2 diamants, donc aujourd'hui, donc il n'y en a pas beaucoup, mais vous pouvez récupérer 2 diamants, donc obtenir une fois de l'affection, nettoyer une table, donc on va le faire tout de suite. Hop, tac, on va nettoyer. Donc vous voyez, hein, j'ai mes 900 diamants, hein, donc moi je suis prêt pour The One. On va un petit peu en dépenser. Hein. On va aller voir le portail. Hein. On va aller voir le portail parce que c'est surtout ça qui vous intéresse. On va aller voir s'il n'est pas trop dégueulasse. Hein, du step-up. Donc les 2 premiers step-up, bien sûr, ils sont à 31. Donc 3, 6, 9, 12. Donc ça vous fait 120. Donc moi je pense que je vais m'arrêter là. Je pense que je vais faire 120. Je vais m'arrêter vraiment ici. Je vais pas aller plus loin. Comme ça, moi, je suis sûr qu'en 2 semaines, j'aurai forcément récupéré toutes les ressources qu'il faut pour arriver à 900.
Voilà. Donc, à 100 points, donc, si je ne dis pas de bêtises, à chaque multi, ça vous fait 10 points. Donc, en fait, il faut que vous fassiez le tour du step-up 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pour avoir déjà la Jericho garantie et avoir la Roxy aussi garantie. Donc, voilà. Donc, déjà, nous, on va se lancer. On va faire déjà les deux premières multi pour voir ce qu'on peut choper. Ah, j'ai oublié d'aller voir. Excusez-moi. Excusez-moi. Alors, nous avons boosté, hein, bien sûr. Donc, on a Jericho. Le Fat King, c'est complètement con. Voilà, ils l'ont dans le portail d'invocation, alors que, en fait, il est quasiment offert. Shin est pas mal. Roxy, excellente unité. Et Gozer, oh, 0,1667%. Oh, c'est abusé. On a Ludociel aussi qui est dedans. Guérard est un petit peu moins intéressante quand même, mais Ludociel, voilà. Dommage qu'ils n'ont pas mis les autres archanges. On a Dirieri aussi qui est dedans. Fraudrine, voilà, un petit peu moins intéressant. Puis on a tous les trucs pourris un petit peu habituels. Donc Gozer, ça va être très très difficile de l'avoir. Allez, on va se lancer. On fait notre première multi à 30. On va voir ce qu'on va choper. J'espère que la Roxy va tomber assez rapidement. Ce serait cool que je puisse l'avoir avant le SSA garanti à la fin. Ce serait vraiment cool parce que c'est vraiment cette unité qui m'intéresse. Et Gozer Vert, si il arrive à tomber, bien sûr. Mais voilà. On verra si la chance est toujours avec moi sur les... Eh ben, ça commence bien. Eh ben, voilà. On commence déjà avec l'animation de Escanor. Ah, ça, c'est ça que j'aimerais qu'on commence sur la bannière d'invocation sur Escanor's One. Il me faut ça. Il me faut ça. Alors, combien de SSR qu'on va avoir? Si Roxy, j'ai les First Multi ou Gozer Vert, on va s'arrêter là. Non, on va faire quand même le Halo aussi un diamant quand même. Allez, salut l'Albion. Alors, combien de SSR? Ah, on a peut-être un fake out. Parce que normalement, en général, c'est deux, hein, dedans. On aura sûrement un fake out. Ou un Zizou, comme les gens appellent. Ruin. Attention. Impeccable! On a la nouvelle Roxy! Excellente! Alors, je vais vérifier. Des dégâts d'attaque à un ennemi. Nullifie les postures. Ouais, c'est celle-là. Hein. C'est celle-là. Hein. Ah ouais. Roxy, dès la première multi, l'un des personnages les plus intéressants au niveau du portail. Eh, c'est pas de la luck, ça, les gars! Franchement, c'est de la luck. Même pas besoin d'aller jusqu'au SSR que je voulais dépenser, jusqu'au SSR garanti. Alors après, Gozer, il tombe. S'il tombe pas, tant pis. Voilà. Bon, ben, on va s'arrêter au 31. C'est ce que je voulais, c'était la Roxy. C'était le plus important. Ah. On a le Gozer, mais c'est pas le bon. Ah, attention. Bah écoutez, le nouveau Shield aussi. Bah écoutez. Impeccable, deux nouveaux personnages en une seule multi. Bon, après, je pense qu'il n'y a pas autre chose. Hein. Et voilà, deux nouveaux personnages en une multi. Si ça, c'est pas de la luck, les amis, c'est vraiment, c'est ce que je voulais. Là, Roxy, Shin, il me manque que Gozer Vert, mais Gozer Vert, je pense pas que je vais l'avoir. Donc, honnêtement, voilà, aucun regret. Voilà, je dépense 31 diamants, on s'arrête là, c'est terminé. J'irai pas jusqu'au SSR garanti, ça c'est clair et net. Voilà. Voilà, là on n'a rien. On n'a rien. C'est repoussé. C'est repoussé, mais. Ça sera du bleu, hein. Je le sens. Ah non, on a du jaune. Je pensais à un bleu. Ça pète au milieu. Ah, on a que du jaune. Bon, ça m'étonnerait beaucoup qu'il y ait un SSR dedans. Donc on va passer. Voilà, tout simplement. Bah écoutez, je vais pas aller plus loin. Hein. Honnêtement, on s'arrête là. Hein. Voilà, moi je voulais. En plus, il fallait faire que je fasse le tour du step-up pour choper la Roxy. Et au final, bah Roxy, je l'ai chopé en une multi. Le Shin, même s'il est quand même bon, il est un petit peu moins noté et tout ça. Mais le Shin, je l'ai chopé aussi. Donc écoutez, je vais pas aller plus loin. On s'arrête là, on va pas dépenser plus, on va continuer de stacker
pour Scanners One. Donc là, il faut que je remonte quand même au 800, enfin au 900. Donc là, j'aurai largement le temps puisqu'il y a les récompenses du lundi prochain. Et ensuite, après, on a encore les autres encore récompenses de la semaine du lundi prochain. Et on a Escanor The One qui va arriver le mardi dans 15 jours. Bah écoutez, et bah franchement, en ce moment, je ne sais pas ce qui se passe. J'ai une luck de ouf, que ça soit sur 7DS, que ça soit la version japonaise, hein, surtout, que ça soit sur la version globale, hein, heureusement que j'ai deux comptes d'ailleurs, hein, et aussi sur Genshin Impact aussi, hein, comme vous avez vu, j'ai chopé 2-5 étoiles à la suite, alors que j'étais même pas dans la pitié. Je sais pas, c'est un truc de ouf. Je sais pas. Donc voilà, moi je voulais y aller honnêtement. Voilà, honnêtement, si vous pouvez choper l'un ou. Enfin, Roxy surtout. Chine, ça peut, voilà. Là, vous voyez, j'aurais dû faire deux tours de step-up. Alors, un tour de step-up pour la Roxy, un deuxième tour de step-up complet. Donc, ça m'aurait fait 480 diamants pour récupérer au moins les deux personnages. Et finalement, j'ai dit en une seule multi, first multi. Franchement, si ça, c'est pas de la luck, les gars. Et moi, je voulais y aller jusque-là. Donc, ça m'aurait fait 3, 6, 9, 12. Donc, ça m'aurait fait 121 diamants pour au moins récupérer la Roxy. Et finalement, la Roxy, je l'ai pas écouté. Bravo moi, bravo moi, bravo moi. Donc j'espère que vous aurez autant de chance que moi pour choper ces deux personnages-là. Surtout la Roxy, elle fait très très mal. Elle fait énormément de dégâts. Je suis dégoûté quand même de ne pas avoir chopé le Gozer Vert parce que le Gozer Vert, je crois que c'est la deuxième fois qu'il revient. Et je sais que sur la japonaise, il est venu qu'une seule fois en bannière. Donc ça va être très très difficile de le voir revenir. Au pire des cas, si d'ici que Escanor The One arrive, si je vois que j'ai un peu plus de ressources qu'il y a, je vais retenter ma chance sur ce step-up pour vraiment essayer de choper le Gozer Vert. Hein, il faut vraiment que je sois au 900 vraiment de réserve et essayer de choper ce Gozer Vert parce que le Gozer Vert, je l'ai sur mon compte principal, mais je ne l'ai pas sur, sur ce compte-là secondaire. Mais Gozer Vert est vraiment une unité qu'il vous faut absolument parce qu'il va vous servir partout en PvE, en PvP. Et puis voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Écoutez, bonne chance et bonne luck à vous pour ce step up. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas de liker la vidéo. Je vous dis à bientôt sur la chaîne. Ciao, ciao!